voilà pour Tianmer. Et je suis sûre que si on lui posait la question, elle serait parfaitement capable de trouver un lien entre la famille Mendelssohn et Eka Kurniawan, auteur indonésien, dont je publie le premier roman, en tout cas le premier roman traduit en français, en septembre prochain. Ce roman s'appelle « L'homme tigre ». Il y a très peu de littérature indonésienne traduite en France. Il y a le grand maître qui est aussi celui d'Eka Kurniawan, Pramodya Ananda Toer, et puis c'est tout. Donc émerge là une nouvelle génération que j'ai pu lire grâce à l'anglais, qui est traduite en anglais. Le livre sera évidemment traduit de l'indonésien. Et L'homme tigre est un roman formidable qui fonctionne comme un petit roman noir. Premier chapitre, un notable d'un village inoffensif, peintre de son état, vivant un peu au crochet de sa femme, quand même passant sa journée à jouer aux échecs et à regarder les matchs de football, mais aussi à séduire les dames, est assassiné très sauvagement, mais vraiment très sauvagement. Et on sait qui a commis ce meurtre. Quand les autorités vont voir le gamin qui s'appelle Margio, qui est un jeune homme de 20 ans, pas tout à fait un gamin, et lui demande « Pourquoi as-tu tué Anwar Sadat ?» Il répond « Ce n'est pas moi, c'est le tigre qui vit en moi. » Le roman sera un retour en arrière sur les raisons du meurtre. On va comprendre quelle haine le liait à cet homme-là et la raison pour laquelle il a voulu in fine venger sa mère en l'assassinant. Et on va comprendre que ce tigre qui vit en lui est un être absolument familier, qui est voilà, une âme présente qui sort de son être quand la colère qui monte en lui ne peut plus être contenue. Et c'est ce qui s'est passé. Donc c'est un roman à la fois impeccablement construit à l'occidental, roman noir, qui nous plonge en même temps dans le monde de l'animisme indonésien.